Blade Red, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup après cette excellente introduction pour, vous l'avez compris, un nouveau jeu Pokémon. Je parle donc bien sûr de Pokémon Sage. Pokémon Sage donc qui a été créé par des membres de 4chan, donc un site très connu qui fait notamment l'hébergement d'images et également qui aurait été créé par un certain, alors, je suis pas sûr parce que c'est de l'anglais, ça serait /VP/. Donc voilà, donc là le jeu auquel j'ai joué est actuellement au stade de démo. Donc vous l'aurez compris, on pourra pas faire tout le jeu en entier. Mais bon, j'espère quand même vous faire découvrir ce jeu qui, ma foi, est bien sympathique et plutôt bien fichu. Donc voilà, donc là on commence par un classique, hein. On parle avec le professeur, donc là c'est le professeur Mangrove. On peut voir le design du personnage qui, je trouve, est super bien. Donc je vais l'appeler Revan, hein, comme d'habitude. On va garder le nom que j'utilise pour tous mes jeux Pokémon. Sachant qu'en plus, visiblement, Pokémon Sage est basé sur... Mince, j'ai mis un intro. Est basé sur le continent sud-américain. Donc c'est vrai que le personnage, je trouve qu'il a un petit côté... un petit côté péruvien, quoi. Donc bon... On va commencer comme d'habitude, et c'est parti. Du coup, on commence avec, comme d'habitude, on va chercher la petite potion dans le PC. Les habitués de Pokémon savent qu'il y a toujours une potion dans le PC. Ça, c'est depuis Pokémon bleu et rouge. Hein. Déjà, la première remarque que je vais faire, c'est que on n'est pas seul dans la chambre. On a notre... propre chambre, qui est la chambre des parents visiblement. Et on a même une petite sœur, je crois. Oui. Ah, laisse-moi te parler. Que je trouve. Ah oui, c'est pas vrai. Laisse-moi trouver la touche. Ah voilà. Revan, tu vas me manquer quand tu vas partir dans l'aventure. Oh zut, tu t'es pas posé à me dire. Oh, ne me dis pas maman. Je vais te balancer. Petit lit. Bon. On va du coup continuer. On va aller. Faire cette aventure. Donc je précise que Pokémon Sage c'est que des fake mon, donc il y a 200 fake mon en fait. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les fake mon, ce sont des Pokémon qui ont ce sont des Pokémon qui ont été créés par des fans et qui ne sont pas officiels. Mais là je peux vous dire que vu les Pokémon qu'il y a dans Pokémon Stage, ils mériteraient vraiment d'intégrer le jeu officiel parce qu'ils sont super bien foutus. Mais bon, on verra ça un peu plus tard. Ton amie Sofiane a été là il n'y a pas longtemps, elle a dit que le professeur Mango avait une surprise pour vous. Tu sais comment aller au labo, il faut juste passer par-dessus. Le pont, tiens, tes running shoes. Merci. Du coup, voilà, on peut galoper. Et c'est parti. Déjà, vous pouvez voir aussi qu'on commence, on est dans une zone enneigée. Ça, je trouve ça super bien, ça change complètement de... Ça change quand même, parce que de Bourg Palette à Bourg Croquis, c'est toujours... on commence toujours, sur un petit cheminou, on va explorer, enfin, c'est quasiment toujours le même environnement, quoi. C'est-à-dire que c'est une plaine, une forêt, un petit sentier herbu, j'ai envie de dire, c'est toujours la même chose. Là, pour le coup, on commence directement, en fait, on est en pleine montagne. On est en pleine montagne, et du coup, on commence à la montagne. La montagne, ça nous gagne, j'ai envie de dire. Du coup, on commence là. J'aime bien marcher, oui, cool. On peut voir le labo aussi, ça c'est vraiment un super labo, je trouve. Il est vraiment bien fait, je trouve. Parce que voilà, c'est un petit bureau en bois, le fauteuil a l'air bien sympatoche. Le personnage, il fait un petit peu aussi, explorateur du 19e siècle. Bon, du coup, comme d'habitude, on choisit un Pokémon en premier. Foliate. Qui est bien joli, un petit oiseau. Kidling, un petit mouton en feu. Petit mouton qui pète du feu. Et Agwade. Ah, il est bien fichu aussi. Pff, alors là, ça va être dur parce que les trois sont bien. Les trois sont bien. Ouais, je vais prendre le starter feu. Quand je sais pas, je prends le starter feu.
On verra bien ce que ça donne. Kid Ling, un joli choix, non? J'ai pris Kid Ling, mais dans ce cas, je vais prendre Aguade. Forcément, elle prend Startup supérieur. Je ne peux pas attendre de partir en vraie aventure. Cool. Donc je pense qu'on va affronter. Ouais, on va affronter Sophia. Avec Kid Ling. D'ailleurs, ce Pokémon, visiblement, a été repris dans, par Pokémon Trash. Enfin, par Pokémon Trash, par des membres de Pokémon Trash qui ont fait un jeu qui s'appelle Poké XP. Je vais essayer d'y jouer. Faut que je vois ça parce que c'est vrai que là, j'ai trouvé pas mal de jeux Pokémon à jouer. J'ai d'autres projets à côté, donc ça va être chaud de tout faire. Donc il utilise Griff, moi j'utilise Charge. Bien sûr, il m'a affaibli. Ça serait con de commencer avec une défaite quand même. En plus, il est plus rapide. Ouah, c'est bon. Et ben, ce fut juste. Ce fut juste un bon petit combat entre rivaux. Vous pensez pas que c'était si dur? J'étais sûr que je pouvais gagner, mais je vais être plus fort. Je vais affronter les champions d'arène. Donc je vais à Quavertown. Salut, Mangrove, est-ce que tu peux venir? J'ai quelque chose pour des dindrature, mais je l'ai laissé à mon assistant. Elle est à Tremol Town. On va aller la chercher, je pense. You don't have to keep your Pokémon in your bros all the time. You can let out your Pokémon. Ah. Ah ouais, ça c'est cool. On peut avoir le Pokémon qui nous suit. Ça j'adore. Ça j'adore. C'était comme ça dans Pokémon jaune, mais c'était que Pikachu. Puis il y a eu. Or Hard Gold et Argent Soul Silver aussi, on peut être suivi par son Pokémon, je crois. Donc c'est plutôt cool. On va faire une petite sauvegarde. Jusqu'à présent, là, le niveau, il est plutôt bien fait, hein. Il est plutôt bien construit. De ce que j'ai vu, il n'y a pas de problème de bug particulier. Donc franchement, je trouve ça plutôt bien. Après, voilà, on va continuer du coup la petite route. En parlant ancien, je connais ce... tu es un nouveau dresseur. Je me rappelle quand j'étais un noob, et mon Pokémon allait quasiment tomber KO. J'étais trop loin du 5 Pokémon, et du coup, un vieux m'a aidé. Et du coup, il me fume une potion. Cool, bon. Et bien du coup... Ah mince, je pensais qu'on rencontrait un Pokémon. Ouh, les Pokémon là sont... ont l'air difficiles, j'ai l'air d'être à nouveau, il vaut mieux passer... ailleurs. Je vais quand même prendre la Pokéball à côté de toi. J'ai pas de Pokéball. Et puis on va continuer. Donc là, ouais, le milieu est super sympa. Alors, cube 0. Sympa. Belle bête. Alors oui, les sprites sont pas animés, mais c'est vraiment pas grave. Franchement, ils sont quand même bien dessinés, c'est l'essentiel. Mais c'est vrai que ça change, par contre, à Pokémon et Flower Gate, ils ont vraiment fait l'effort pour le faire et des beaux Pokémon, et de les animer en plus. Hop là, niveau 6. Nous sommes niveau 6. Bien joué, Kid Ling. On va continuer, du coup. Ah mince, on affronte le gamin. J'adore les chapeaux, ils sont confortables et faciles à porter. Ça change de celui qui dit qu'il aime les shorts. Il envoie Kepler. En plus, j'aime pas trop le design, je trouve un petit peu moche. Mais bon, après, c'est mon avis personnel. Après, franchement, là, les Pokémon que j'ai trouvés, ils sont plutôt pas mal foutus. Ils sont bien dessinés, c'est ce que je disais. Hein. J'avais regardé un peu vite fait avant de commencer le jeu, et franchement, je trouve qu'ils mériteraient d'intégrer les jeux Pokémon officiels. Après, voilà, c'est aussi... Les jeux comme ça, en fait, où c'est des fans qui le font, j'ai envie de dire, c'est des jeux qui... Maintenant, en fait... Nintendo a une longueur d'avance avec la 3DS, parce que la 3DS, ben les émulateurs 3DS n'existent pas encore, les fans n'ont pas encore pu en créer, et apparemment il est tentative, mais c'est pas encore bien au point, je l'avais bien parlé dans une précédente vidéo, et du coup en fait ben, il reste ces jeux là pour les nostalgiques comme moi, ben, de la Game Boy Color ou de la Game Boy Advance, tout ça, ben ça reste quand même de bons jeux, donc
Moi, je pense que ça va continuer. Et puis, même lorsque la série Pokémon sera finie, je pense qu'il y aura quand même de quoi, largement de quoi se mettre sous la dent. Ils vivent plein d'aventures. Au final, il n'y a pas que les versions officielles pour vivre des aventures Pokémon. Il y a aussi ceux qui se cassent le cul à créer des jeux, quoi. Parce que ça, je pense que c'est des heures de programmation, mine de rien. Je me suis renseigné et en fait ce Pokémon Stage il est en développement depuis 2012 et en 2015 il n'y en a qu'une démo encore, mais il faut se dire que le jeu il est en développement depuis 2012. Peblosa, tiens, sympa le Pokémon, on dirait une espèce de j'ai envie de dire de Salamèche Caillou, parce qu'on dirait qu'il a un peu une tête de salamandre mais en version caillou. Oula, il m'a fait mal ce con. Il m'a fait mal. Est-ce que je vais le tuer? Oh, sérieux, coup critique. Ouah, des chattes. Oh putain, merde. Eh ben, je suis mort. Oh putain, 10 minutes de jeu et je suis mort. Bon. C'est pas grave. Il va m'en vouloir du coup. Killing, il soit en train de déplier. Je crois qu'il l'a appelé Moutefeu dans Poké XP. Celui va bien. On va dire Moutefeu du coup. Killing. Bref, je sais plus ce que je disais avant, du coup, avant de mourir. Je pense que je vais essayer de capturer un autre Pokémon du coup pour l'affronter, l'autre. Mais pas lui. Lui, je l'aime pas, j'ai pas envie de le capturer. Je disais, 3 ans de développement. Et le jeu, il est encore au stade de démo, il est pas fini. Mais en même temps, ils prennent leur temps, ils essayent vraiment de... Je pense qu'ils essayent vraiment d'éviter tous les bugs possibles pour avoir une version la plus stable possible. Et puis, dites-vous que les jeux Pokémon, faut pas se leurrer, Game Freak, ils sont combien? Ils doivent être, allés 50, 100 peut-être, 100 personnes à travailler dessus, que ce soit pour le scénario, les textures... le design des Pokémon, les attaques, les nouvelles attaques, la strat, tout ça. Ils y sont à 50-100 à faire ça nuit et jour, quoi. Donc on comprend que le jeu, ça peut prendre du temps en développement déjà pour les studios, mais alors pour ceux qui sont des fan-made, imaginez, il y a une différence énorme entre 100 personnes qui travaillent sur un projet Pokémon 8 heures par jour, tous les jours, et des gens qui sont peut-être 4-5 et qui le font un petit peu chaque jour. J'aime bien ce petit oiseau là. Ah, il utilise Twister. Twister, comme le jeu, tiens. Allez, on va utiliser la seule Pokéball que j'ai. En espérant que ça marche. Yes! Harpy a été capturé. Toutoulou. Je vais donner un surnom à Harpy. Non. Et voilà, premier Pokémon capturé. Comme d'habitude, je capture un oiseau. Comme Sacha. Ah, il a Moxie. Moxie, c'est Dragon. Twister Dragon, 40 sur 100. Que c'est cette attaque? Utilise une vicieuse standard. Il peut aussi le faire. Ce serait pas Ouragan? Ouais. Si c'est Ouragan, faut que je teste, parce que 40 sur 100, ça me paraît un peu disproportionné. Parce que normalement, la technique Ouragan, le Pokémon, il a 15 sur 100, quoi. Donc, c'est pas... Voilà, déjà, un peu exagéré, je trouve. On va voir. Je vais te faire le test avec Harpy. Donc voilà, oui, petit aparté sur le développement. Donc c'est vrai que après nous on est habitué à avoir une version finale, donc c'est pas plus mal en fait qu'ils nous en parlent pas. Mais quand on a des fan games comme ça, les gens ils sont hypés du coup et ils veulent suivre le projet, et puis du coup ça peut mettre la pression, je pense, à ceux qui le font. Et sachant qu'ils ont moins de temps et tout, c'est un peu compliqué, quoi. Donc là vraiment, c'est pour ça que j'insiste quand même sur ça. Pensez bien que ce jeu est une démo à l'heure actuelle des choses. Je sais pas encore jusqu'où ça va se terminer, mais voilà. Si vous souhaitez y jouer, prenez-le comme un aperçu de quelque chose qui peut être beaucoup mieux.
Même si je vous avoue, moi ça m'a super bien hypé et j'ai vraiment envie de continuer le jeu, ne serait-ce que pour le design du perso que je trouve super bien foutu. Vraiment. Hop, on s'est gouré. Puis aussi pour les Pokémon que je trouve pas mal pour le moment, à part celui-là. Du coup, on va lui casser la tronche. Avec Harpie. Oh putain, je déteste cette attaque. Forcément, il va taper moins fort. Ouais, voilà. Voilà, voilà. Oh, c'est une attaque spéciale. Donc non, ça change pas. Tiens, flinch, saleté. Oh non, ça c'est chiant ça. Ça a loupé, ça me l'attaque. Il veut pas crever ce con. Non, c'est jamais le même truc. En plus je me loupe. Charme à nouveau, oh putain. Ah mince, oh, putain, je fais n'importe quoi. Je tape trop vite et du coup... Oula. Oh putain, j'étais en train de le win et là je perds, je sens. Non, quand même pas. Oh putain. Et bien sûr, il sera pas mort et moi si. Oh putain. C'est pas vrai. Oh là. Bon bah, le premier combat avec Harpie, pas très très bien malheureusement, j'ai fait un peu nawak, c'est pas de ma faute. Ne jamais blâmer ces Pokémon, c'est toujours la faute du dresseur. Kidling. Kidling. Bon, on va re-soigner Harpie, je sens que je vais faire pas mal d'aller-retour. Je pense, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que arriver à Tremol Town va être un petit peu plus compliqué que prévu. En plus, les routes de montagne, voilà, c'est déjà assez chaud à grimper. À mon avis, ouais, ça sera pas de tout repos. Mais bon, on va voir. On va voir. Ma foi. Hop là. On va mettre... Non. Oui, on va le laisser devant quand même. Faut qu'il s'entraîne, hein. Mais c'était pour le faire ressortir aussi de sa Pokéball. Est-ce qu'il est fâché? On va regarder. Shoot on your feet. C'est-à-dire qu'il me mange la jambe. Oui, donc il est pas content, je pense. Bah, en même temps, voilà, je suis désolé, c'est de ma faute. J'ai mal géré le coup. Bon, allez, on va essayer de se racheter. On va se refaire combattre. Alors, Bluffin, sympa. Utilise Pound. Coup critique. Tiens, prends ça. Tickle. Attaque et défense. Je sais pas ce que c'est ça. Par contre, voilà, ça c'est toujours pareil. Au début, dans les jeux Pokémon, le tout début, ce qui vous fait le plus chier, c'est pas les affinités des types, c'est pas les statues, c'est les jets de sable, les mini-queues, les rugissements, les charmes, toutes ces attaques qui font baisser les stats. Comme vos Pokémon, en fait, c'est des petits Pokémon, en fait, ils ont plus fort. Putain. Ouais, on va peut-être pas insister. Killing. Oui, il y a un peu de texte. Saleté, crève. Putain, Charol. Oui, je disais, bah, comme vos Pokémon, en fait, c'est des... entre guillemets, bébés ou des jeunes Pokémon, et ben du coup, leurs stats sont pas énormes, quoi. Donc quand vous avez des baisses de stats avec jet de sable, mini-queue, tout ça, ben, ça fait vraiment des pertes, de bonnes pertes de stats, quoi. Je veux dire, c'est mettons, j'ai n'importe quoi, mettons, vous avez un Pokémon de base niveau 5 qui a, je sais pas, 10 de précision. Bah, si jet de sable, un seul jet de sable lui enlève moins 2, vous perdez 20% de précision, quoi. Donc, c'est quand même pas mal, quoi. Après, voilà, au final, après, ça sert plus à rien. Parce que les stats augmentent, et du coup, toutes les stats augmentent des Pokémon, et puis au bout d'un moment, voilà, Ratata fait mini-queue, Dracolos lui envoie l'ultra laser dans la gueule, et puis t'as terminé, quoi. Bon alors lui j'ai pas envie de l'affronter parce qu'il m'avait battu, est-ce qu'on va essayer... Oui, allez hop, on va passer par là. Donc ça c'est un peu la petite difficulté qu'il peut y avoir au début, j'ai envie de dire, pour ceux qui commencent. Allez, niveau 2 là tu me le tabasses. Allez. Tiens, il utilise Twister aussi. J'ai envie de dire genre tout ça Twister, mais c'est Uno. Je sais plus comment ça fait Twister là, la pub.
faut mettre la main pied sur jaune, main sur gris, tête sur rouge. Et on fait la contorsion. Bah, tu devrais être contente à gagner. Il regarde mes yeux. Sur le bordel de merde, pour une fois qu'on gagne. T'es un autre harpie. Allez, tu vas me battre, tu vas me faire plaisir. On va entraîner un peu mon petit pierre. Tiens. Allez, encore un coup, il est mort. Bon, après, voilà, c'est vrai que les combats ont peut-être pas l'air plus... Enfin, au contraire, je trouve que les combats, au début, sont peut-être limite plus intéressants qu'à une certaine période du jeu, où au final... Ah mince, j'étais sûr que c'était pas une dresseuse. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, oh tiens, nouveau personnage, on va faire une dresseuse. Bon, tant pis, on va se la farcir. Putain, trois Pokémon en plus. Oh, merdasse. Tiens, il est niveau 3. Allez, vas-y, achève-le. Et merde. Mouap, 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 mouap. Bah ouais, limite, j'allais dire, les combats sont assez stratégiques, parce que du coup, comme vous avez des Pokémon faibles, leurs stats sont faibles, mais leurs attaques aussi sont faibles. Donc même si vous avez des attaques puissantes, d'affinité, ben, c'est pas non plus... super efficace quoi. Mettons un Pokémon plante qui se prend Flamèche, ça peut ne pas le one shot en fait, même si l'attaque est puissante, parce que tout simplement vu que les stats du Pokémon sont faibles et que l'attaque elle-même en puissance est faible, c'est pas ça qui va le tuer quoi. Bon là vous voyez forcément, voilà, là c'est un type glace qui se prend l'attaque de type feu, mais il y a 5 niveaux d'écart. Je suis pas sûr que Cube Zero, s'il était niveau 9, il serait pas, il aurait pas tenu le coup, quoi. Donc ça aurait pu faire des combats intéressants. C'est ça qui est pas mal, en fait, avec le début, mais il y en a qui trouvent ça chiant, parce que du coup aussi, même si le Pokémon a un avantage de type, il peut quand même perdre. Mais bon, ça fait un petit côté stratégique, je trouve. Et du coup, on a une grotte. Waterfall Cave. Joli. Ouais, mais moi j'ai mon... Je vais sauvegarder, tiens. 22 minutes déjà quand même. On patauge sur la route 1 depuis 20 minutes les gars. Bon allez, on va faire un dernier aller-retour à la ville Topakotown, je crois qu'elle s'appelle en plus. Allez, on y croit. En tout cas, les Pokémon sont vraiment bien sympas. Il n'y a pas que les Cucupid que j'aime pas. Tiens, un cadeau. Une petite Flamèche. Vous voyez déjà, lui il a résisté. Ah, il utilise Tornade. Je le vois bien devenir, je le vois bien Volglace lui. Un petit Articodin, un mini Ticodin. Après je crois qu'au niveau des designs, hop là, on va passer par là parce que je suis bloqué. Tremol Town, yeah. On a atteint la ville putain, on a survécu. On a survécu les gars. Ça c'est ce qu'on se disait lorsqu'on sortait du Mont Sélénite, quand on était là. Oh putain, je suis pas mort. J'ai trouvé la sortie, c'est bon. Je peux atteindre la ville. Oh là, moi ça a été l'enfer hein, sur Pokémon Jaune. Première fois que je l'ai fait le Mont Sélénite, en plus j'étais gauche, j'avais aucun sens d'orientation. J'ai toujours aucun sens d'orientation de toute façon. Mais j'étais là, oh putain, je vais pas y arriver. Comment je vais faire? J'ai dû crever au moins une ou deux fois. C'était horrible, j'avais presque plus de pognon, j'étais là avec mes Pokémon, j'avais battu de justesse la Team Rocket, et je me disais, putain, si un Pokémon sauvage me tombe dessus et qu'il veut pas s'enfuir, je suis mort. Et là, sorti. Oh, yes. Puis là, tu dis, attends, non, il y a des dresseurs qui vont m'attaquer. Puis finalement, non, après, tu peux les esquiver, je crois que je les avais esquivés. Enfin, c'était... C'était il y a 13 ans. Peut-être, ouais, 13 ans, ouais, pour mon cas. J'en avais 10, j'en ai 23, ouais, ça doit être ça. Bon, on va essayer de trouver l'assistante du professeur Mangrove. Mais quelque chose me dit que je l'ai passé. Du coup, j'explore un petit peu. Hein. Je dois avoir un capi pour faire une coiffe. Why, why not? Alors, il me semble... que j'allais dire au niveau des graphismes, c'est les graphismes de la 4G mais en version 2D,
et donc ça va être rouge feu vert feuille du coup. Et aussi c'est avec des animations de 5G je crois. Donc je pense que notamment peut-être pour les personnages, c'est peut-être un peu ça. Enfin bon, on verra. C'est Koya, ouais c'est ça, c'est elle. Ah oui t'as raison. Il y a besoin maintenant, je dois y aller. Rentre, bon oui bon, on va te suivre. On va te suivre. Du coup est-ce que je me le farcis lui? Ouais, on est obligé de passer par là. Enfin je me le suis farci. Je sais plus. Je sais même plus ce que je fais. Bon, je pense que du coup on va passer par la grotte pour revenir. De la route et je parie que ça revient à la petite fille. Donc en fait si on pouvait passer par la petite fille, eh ben on serait passé par la cave et on serait pas emmerdé à faire toute la route. Cube zéro. Tiens harpie, fais dans ta gueule. Twister. Alors ne vous étonnez pas si une attaque de type dragon marche sur un type glace parce que ça fait partie des petites particularités de type. Vous allez dire ouais mais les types glace c'est efficace contre les types dragon et c'est vrai mais les ok tiens prends ça coup critique yeah mais les attaques de type dragon sont enfin ne sont pas efficaces mais font des dégâts normaux sur les Pokémon de type glace et des Pokémon comme ça où oh une carte sortie je pense qu'on en aura besoin on sait jamais. Il y a des Pokémon comme ça où effectivement Peblosa. Oh non. Pas envie de te choper toi. Pas envie de te choper. Il y a des types comme ça où on a des Pokémon qui peuvent. En fait c'est pas toujours en fait comme eau, feu, plante, les starters, c'est-à-dire que le type eau est efficace contre le type feu, qui est efficace contre le type plante, qui est efficace contre le type eau. Il y a des types Pokémon comme ça qui sont efficaces sur certains, mais ces derniers ne sont pas forcément pas efficaces quoi, j'ai envie de dire. C'est le cas pour le type dragon et le type glace. Après, là j'avoue, j'ai pas d'autres exemples en tête, je connais pas mon tableau des types par cœur, je vais vous le dire. Avec 18 types existants en plus. Là je sais pas du coup si c'est le type fée mais je crois pas. Il me semble avoir lu qu'ils ne veulent pas implanter le type fée, qu'il n'y aura pas les méga évolutions non plus. En même temps, Déjà c'est difficile comme ça je pense de créer des nouveaux Pokémon, alors en plus faire des méga évolutions de ces derniers pas dessus marché. Parce que là hein, c'est vraiment, ils veulent faire que, et je crois que c'est ça en plus, il y a que des Fakemon. Donc c'est que des Pokémon nouveaux en fait. Donc c'est plutôt déjà une bonne initiative. Après voilà, il y a d'autres jeux aussi bien j'ai envie de dire. Avec des Pokémon officiels. Et là, c'est peut-être moins chiant du coup à faire parce que au final, les sprites, les Pokémon, tout ça, ils existent. Sachant qu'il y a des gens qui se sont cassés les fesses à faire les sprites CG en version comme ça. Hein. J'en ai vu quelques-uns sur certaines parties. Et d'ailleurs, c'est plutôt bien foutu. Hein. Il y en a qui diraient que c'est peut-être même mieux que la version 3D. Ah, c'était toujours mieux avant. Nostalgie, nostalgie. Ouh, critique, coup critique. Allez, s'il survit, je me le capture. Oh, je pensais pas qu'il survivrait. Bon bah, chose promise, chose due. Hein. Allez. C'est rare que je capture plus d'un Pokémon dans une même zone. Bon là, on va dire, ouais, c'est la grotte, pareil. Cube Zero a été capturé. Est-ce que j'ai donné un surnom? Non. Et comme on n'a pas le Pokédex, on peut pas savoir... Cube Zero de type glace. J'aime bien ce petit chat. De toute façon, les petits chats, ça marche toujours super bien dans Pokémon. Potion, tiens. Hop. Allez, on va continuer avec ces trois-là, du coup. Oh, on se fait arrêter Lico Presto. Peblo, ça. Saleté. On va les entraîner un peu quand même hein, pour leur faire prendre du niveau parce que je sais pas du tout qui est le premier champion, à quoi ça correspond. Du coup, on va continuer comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît déjà, que vous aimez un petit peu ce jeu Pokémon. Bon, on en parle pas mal, il n'y a pas déjà eu des vidéos de fait dessus, mais dans mon...
Et ouais, mais moi je suis sorti. Tu dis la même chose. Idiota. Mais dans mon projet en fait de réunir un peu les jeux Pokémon qui se trouvent en fan-made, c'est vrai que ce jeu-là, pour l'instant, c'est un gros coup de cœur. Je vous l'avoue. Je le mets au même niveau que Shadow Gates parce que Shadow Gates, les designs sont sympas, les sprites sont animés, les Pokémon sont bien. Mais il y avait encore quelques bugs. Hein. Que là, vraiment, j'ai l'impression de jouer une version quasiment complète, quoi. J'ai pas vu de bug. J'ai pas vu de... Bon, j'ai eu Carpi est mort. Allez, troisième mort. Bon. L'oiseau a défaite. Bon, on va récupérer 0. Ah, l'arrière est sympa aussi. Non, franchement, les Pokémon sont bien, quoi. Hein. Les Pokémon sont bien, les designs sont bien, l'interface est bien travaillée, y a pas de bug, y a pas de soucis. Bon, allez, y a juste ce petit détail avec Ouragan où y a pas marqué 15 sur 100 ou 40 sur 100. Parce que les dégâts, je pense qu'ils sont à 15 sur 100. Bon, du coup, on va voir le professeur Mangrove. Ah, Revan, merci de l'avoir ramené, j'ai une autre faveur à te demander. On vit avec des Pokémon depuis aussi longtemps qu'on se rappelle, mais il y a beaucoup de Pokémon qu'on connaît très peu. Je vais te donner ceci, le Pokédex. Cool. Ouroboros est plein de secrets, mais avec beaucoup de travail et un bon cœur, tu pourras même arriver à battre les conseils des 4. Prends les Pokéballs. Professeur, mon Pokémon a été volé. Ah, quand ça a été réveillé. C'est peut-être le monsieur qu'on a vu dans l'intro. Ah, pas mal ce rival là. Les enfants de gens n'ont aucun respect. C'est pas faux. Ça me rappelle du coup Pokémon. Du coup, ouais, elle lui donne le dernier starter. Du coup, elle reprend Pokémon. C'est marrant parce que du coup, on a les mêmes starters que dans l'intro. J'ai pas fait attention. Mais du coup, ouais, c'est dans l'intro, c'est ça. Soit dangereux s'il y a quelqu'un qui prend les Pokémon. Intéressant. Et oui, c'est comme dans Pokémon Or, Argent et Cristal, la deuxième génération. La deuxième génération, dans l'animé, elle a été pas mal décriée en fait, parce que les premiers épisodes étaient quand même pas mal brouillons. Étaient vus comme pas mal brouillons, l'animation était pas top. Et ça faisait pas honneur en fait à la première génération, mais la deuxième génération quand même à l'époque elle était plutôt bien. Moi j'ai bien aimé la deuxième génération parce qu'elle est sortie, et d'autant plus que pour la deuxième génération l'histoire était quand même pas mal aussi. Bon, certes ça ressemblait, mais le rival Silver, qui d'ailleurs est le fils du boss il me semble dans le manga Pokémon, Silver vole le starter. Alors il le vole à personne par contre, hein. Mais en fait vous choisissez votre starter, vous partez à l'aventure, et là en fait vous revenez et il y a lui qui a chopé le Pokémon et vous l'affrontez. Et en fait vous apprenez ensuite que ben le professeur s'est fait voler un starter. Et là visiblement c'est pareil. Bon, on a une bonne petite équipe, ma foi, on va continuer, on a atteint Tremoltarn. On va les entraîner et puis du coup on continuera vers de nouvelles aventures. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Et je vous dis à la prochaine, salut salut.